famille va passer devant. Bonjour à tout le monde. Bonjour, papa. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La voix est cassée, mais on va monter, ne vous inquiétez pas. Alléluia. Elle est comme ça, juste pour la gloire de Dieu. Et quand la famille est en train de passer, laissez venir à moi les petits enfants. Laissez venir à moi, ne les empêchez pas. Gloire à Jésus. Acclame avec joie. Je t'aime beaucoup. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Jésus. Nous allons recevoir notre enfant pour le présenter au Seigneur. Amen. Hein? Alors notre bébé Alléluia. Amen. Il est venu vous visiter. Est-ce que vous êtes content? Oui. Non, il n'est pas venu vous visiter, mais il est venu parce que ce jour est arrivé. Est-ce que vous êtes content? Si vous êtes content, clamez le Seigneur. Il est tellement merveilleux, notre Dieu. Il est Dieu au-dessus de tout. Il mérite toute la gloire, tout honneur, à lui toute la puissance. Mais bien aimé, c'est très important d'apporter nos enfants dans la présence de Dieu, de les présenter à Dieu. Comme nous le savons, la Bible est l'outil. Vous êtes venu combien de mois? 4 mois. Le Seigneur Jésus, c'était 8 jours. Il était déjà sorti dans les temples.
Il y a beaucoup qui attendent 6 mois avant de venir à l'église. Mais je l'ai insisté sur ça, tu vas. Vaut mieux de les ramener avant à l'église. Dans la présence de Dieu. N'est-ce pas? Je pense que nous devons changer ces habitudes parce que c'était quelque chose qui était déjà inculqué dans nos jours seulement. Alléluia. Je pense qu'à cette époque-là, il n'y avait pas. La musique n'était pas trop forte dans l'église. Gloire à Jésus. Alors la Bible dit dans le psaume 127. La Bible dit les enfants. C'est une bénédiction qui vient de l'Éternel. Et chaque bénédiction qui vient de l'Éternel, nous devons être reconnaissants à Dieu. Alléluia. De venir les présenter au Seigneur. Alors, je vais lire un texte dans Luc, chapitre 18. Le verset 15, la Bible nous dit ceci. Des gens lui apportèrent même le nouveau-né pour qu'il les touche. Mais les disciples, en voyant cela, leur faisaient des reproches. Et Jésus les fit appeler et dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour l'air pareil. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alors dans Matthieu, il dit ceci, après le Seigneur les a reçus et il les posa les mains, il les bénit. La Bible ne dit pas qu'il les a baptisés. Et il les a bénis. Gloire au Seigneur. Nous aussi, nous voulons bénir l'enfant. Nous ne baptisons pas des petits enfants. Mais nous bénissons les enfants pour les présenter au Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, comme je le dis toujours, que nous devons comprendre quelque chose. Ça ne doit pas être comme les coutumes. Et comment ça s'appelle le messano? De dire, ben, il fallait présenter l'enfant à l'église, même si nous, on n'a pas besoin d'être dans l'église. Ou soit, nous avons une autre vie. Alléluia. Amen. Hein, papa des enfants, écoutez ça. Je vais dire ceci. Ces enfants ne feront pas une autre chose que ce que vous vous faites. Ne suivront pas un autre chemin que le chemin que vous marchez. Si vous marchez dans le chemin de Dieu, ces enfants, ils seront dans le chemin de Dieu. Parce qu'ils vont suivre ce que vous faites. Alléluia. Amen. C'était l'engagement de présenter l'enfant dans la présence de Dieu. Parce que vous vous engagez à quelque chose. Vous savez, ce n'est pas que de manger et de boire. On peut manger, on peut boire. Mais ce qui est très important de ces enfants, qu'ils connaissent le Seigneur. Qu'ils marchent dans la voie de Dieu. Et vous avez cet engagement de leur montrer le chemin de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous vous engagez à ça? Plus fort. Est-ce que vous vous engagez? Vous vous engagez? Amen. Tous les jours. Amen. Tous les dimanches. Maman, tu t'engages. Amen. Alléluia. Amen. Ah, on s'engage devant Dieu. Amen. Amen. Notre bébé, il s'appelle Eliam. Eduardo Sanguma Matondo. Amen. Amen. Ah, bébé Eliam. Bonjour. Ajoute à la chair. Ajoute à la guitare. Tu vas jouer la guitare. Donne-moi les bébés. On va les présenter à notre Dieu.
Ah, c'est tata qui porte le bébé. Hein? Hey, tata, toi, tu t'engages, non? Parce que c'est toi qui portes le bébé. Hein? Alléluia. Amen. Nous allons bénir notre enfant. Je remettre entre les mains de Dieu. Je l'Éternel, notre Dieu. Il n'y a que toi. Le Dieu dans les cieux. Sur la terre. Le Dieu tout puissant. Je viens auprès de toi. Te présenter. Bébé Eliam. Matondo. Seigneur. En suivant ce nom, Matondo, ça veut dire une bénédiction qui vient de l'Éternel. Et parce que nous reconnaissons, Seigneur, c'est toi qui te bénis. Cette famille a reconnu, Seigneur, que c'est toi qui les a donné cet enfant. Ils se sont approchés devant toi, Seigneur, pour les remettre à toi, pour les présenter à toi. Toi seul qui es Dieu, toi qui gardes, toi qui protèges. Oh, c'est toi qui es le Seigneur des Seigneurs. Seigneur, que ta lumière soit sur cet enfant. Fasse luire ta face sur cet enfant. Que ta grâce l'accompagne pendant tous ces jours ici-bas. Et que ta grâce soit sur lui, Seigneur. Qu'il te connaisse comme son Seigneur et son Père. Dans le nom de Jésus. Qu'il demeure dans sa maison, Seigneur. Que tous les vents du dehors qui peut l'emporter loin de toi, Seigneur, soit rendu nul et sans effet de Christ et Jésus de Nazareth. Que la protection divine soit sur ses enfants. Que le sang de Jésus découvre Eliam. Que la protection du Tout-Puissant soit sur toi. Que le Seigneur te bénisse, te garde, te protège, dans le nom de Jésus-Christ, sois béni. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Acclamons très fort. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, je te recommande cette famille. Tu es le Dieu des familles. C'est toi, Seigneur, qui gardes les familles. Seigneur, je te prie que ta présence demeure au milieu de Seigneur. Amène-les dans ton chemin. Et garde le Seigneur de gloire. Protège le Seigneur. Bénis les entreprises. Et que rien ne le manque. Pour élever leurs enfants, Seigneur. Que ta grâce soit déversée sur eux. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Petits enfants. Gloire à Jésus. Alléluia.